Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu, et bienvenue chers amis, bienvenue dans The Suicide Guy, épisode 2, oui, bah dis donc, alors la dernière fois déjà, bah alors, il est trop gros, il est comme moi, il est un peu trop gros, et oui Tatsu, il a quelques kilos à perdre, hein, parce que à force de plus rien foutre, ce qui était blessé, c'est quand même là, c'est too much. Mais ouais, 2-3 petits kilos, ce serait bien, histoire de retrouver un petit peu la forme. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, deuxième épisode, toujours cette bière, qui est en train de s'écrouler. Oh mon dieu, oh non, la bière, pas la bière! Nani? Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'imagine comme il y a beaucoup, beaucoup de tables, il va y avoir beaucoup, beaucoup de jeux, sans doute. Donc voilà, ah oui, il y a de Suicide Guy, oui, mais édition de luxe. Édition de luxe avec plein de jeux. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà. Le pourquoi du comment, est-ce qu'ils ont rajouté des choses, est-ce que... Non, mais il y a Godzilla quelque part. Il est où, Godzilla? Qu'est-ce que tu me fais, Godzilla? On voit comme à travers une pelle lumineuse. Bon, bref, allons-y. On fait le 9e niveau. On va essayer d'en faire... Oh, mazette. On va essayer d'en faire quelques-uns comme ça. Ça a l'air d'être un labyrinthe. Donc, il faut que je monte tout là-haut pour me suicider, pour me petit suicider. Alors, évidemment, on n'encourage pas le suicide ici. On n'encourage pas le suicide ici. C'est un réveil. Il faut me réveiller. Tu comprends? Oui, alors, je pense que là, c'est comme ça. C'est pour pas que la bière, elle tombe. Et comme le bonhomme, il est en train de s'endormir, ça va pas. Quel homme digne de ce nom Quel homme digne... Laisse sa bière. Oh non. Bon, alors, c'était un petit peu le souci du jeu. Enfin, pour ma vidéo, c'est que... Voilà, c'est pour sauter d'ici, c'est la... Oh, la mouise interne. Ah, la mouise internationale. Putain, mais il marche pas ce truc ou on n'entend pas là. Qu'est-ce que c'est-à-dire que c'est nain. Bon, poubelle. Ok, bon, comment est-ce que je grimpe là-haut? Je vais me contenter de rocher comme un sale. Donc j'imagine que là je ne peux point. Ouais, là ça monte pas. Hein. On est d'accord, bon bah ça ne monte pas. C'est bizarre ça. Qu'est-ce que je fais avec cette caisse? Je la lâche? Ah d'accord, il faut que je saute avec la caisse, mais bien évidemment. Alors là tu vois, regarde, moi j'aurais mis un petit trésor. Un tout petit trésor. Un petit trésor comme mon public en ce moment. Ah, super. Ouah. Bon, alors... Du coup... Toc, toc. Y a personne. Y a quelqu'un qui a pété vraiment, vraiment très fort là-dedans. Ah, il faut que je fasse tout le tour. Mazette de mazette. Allez, vas-y, roule ma poule. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour se foutre en l'air? Ah! Oui, alors, est-ce que, du coup, au niveau du... Il aurait fallu des... D'accord. Donc celui-là, il est déjà... D'accord, bah, j'ai compris. Mais... Gratte, gratte la tête. Oui, non, pousse. Ok, non, parce que là, ça ne marchera jamais. Là, il t'en faut au moins un. Et là, il t'en faut peut-être pas un. Attends, allez, pousse par là. Moi, je crois que ici, ça va être horriblement compliqué, c'est pas possible. Et que là, il va falloir essayer de sauter sans le truc, d'accord. Puis là, il faudra le retourner en plus. Ah, et d'accord, en plus, parce qu'il y a un... Est-ce que je peux sauter de là à là sans l'aide d'une caisse? That is the question.
Eh, pas du tout. Bah alors, du coup, comment je fais? Eh bien, point du tout, monseigneur. Donc, déjà. Toi, t'es bien ici. Et du coup, là, il va m'en falloir une aussi. Ouais. Ah non, il n'y a pas de. Oh, c'est peut-être juste un effet d'optique. C'est un effet d'optique. Bon, je pense que là, je devrais y arriver. Et que là, il en faut une aussi. Lançons-nous. Parce que, comme le dit Tony Stark, parfois, il faut savoir voler avant d'apprendre à marcher. Ça veut rien dire. Non, c'est qu'est-ce qu'il faut parfois savoir courir avant de marcher. Ah bah, j'ai tombé. Bravo, je sais même pas marcher. Mais saute, toi, saute, pourquoi t'es nul? Ok. Et du coup? Ok, non, pas du tout. Alors je la rapproche, dans l'espoir de pouvoir l'attraper. Oh, t'es chiant. Non, bah du coup, non. Ok. Oh là là, ça viendra pas. J'en ai aucune idée. Ok, allons-y, allons-y, allons-y. Oh, ça a marché. Oh, ça a marché. C'est magique. C'est magique. Donc du coup. D'accord, il y a un phénomène de. Oh bah c'est bon là du coup. Oh mais je me casse la tête pour rien. Je pensais devoir prendre celle-ci pour l'emmener avec moi. Mais non, mais c'est bon, mais c'est bon. Ok. Est-ce qu'il faut passer par le haut? Du coup, allô, moi je suis. Y a-t-il quelqu'un? Pourquoi il y a un rail? Y a un parcours? Qu'est-ce qui se passe? T'as faim? Ah bah bravo, Brutus! Oui, c'est là-bas. Ah bah d'accord, ok, d'accord. Là, j'ai compris. Ok, bon, moi, je suis tombé. Oui, non, mais je suis tombé parce que t'es un peu con, parce que t'as aucun équilibre. Oui, bon, bah ça va, arrête de chialer. Oh là là. Genre, de toute façon, c'est un rêve, on craint rien. Seule chose qu'on craint, c'est de perdre cette bière. Allez, vas-y, loulou. Ok, gauche ou droite? On va essayer droite, mon autre drogue gauche. Du coup, bah c'est pas là, il n'y a rien qui s'ouvre. Bravo. Bravo, bravo. Ah tiens, je vois mes oreilles. Ah, je vois la barbe aussi. Je suis dans la tête du gros. Ah, il n'y a que moi que ça fait marrer. Allez, il n'a pas des poils sur les oreilles? Un truc qui m'a toujours dégoûté, ça. Ok. Je sais pas si vous êtes un peu vieux, si vous avez plus de la trentaine comme moi, mais eh ben, à un moment donné, ton corps humain, il décide de faire pousser des poils sur les oreilles. Pourquoi? Okay. Par contre, qu'est-ce qu'il y a dans le coin là-bas? Rien, rien du tout. Putain, mais ça avait l'air long. Ça avait l'air chiant. Eh ben, je suis pas déçu. Je ne suis point déçu. Heureusement, il peut monter un petit peu. Juste un petit peu. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de nous mettre dans un temple genre Indiana Jones. Je vais juste me foutre en l'air, moi.
Ah, c'est la fin. Oh, c'est la fin. Nous l'avons gravi. Oh, dis donc, il y a une belle vue par là. Bon, on va faire les choses dans les règles. J'ai pas trouvé de statuette. Tu sais quoi, 10 contre 1, elle est là-haut. Elle est là-haut. Elle est là-haut. Hein. On n'a pas trouvé de statuette. C'est dommage. Faudra tout refaire en off. Bon, adieu, monde cruel. Je vais essayer d'atteindre la porte. Adios! Aïe, 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 aïe. La tête la première, comme ça t'es sûr de pas souffrir. Bon, bah ça va. 11 minutes. Ça a pris sa vie. Oui, c'est ça qui fait de... Ça a pris sa vie, mais tant pis. Ok, allons-y. Ok, la suite, eh bah c'est bien, c'est... Ouais, un PC. Ah bah c'est mon truc, ça. Un clavier. Le mien, il est dégueulasse, il fait du bruit. Il est vieux. Téléphone qui sonne. Moshi moshi. Ah. Je ne peux me jeter par la fenêtre. Oh, il y a Windows XP. Ah, je peux prendre le... D'accord. Bah, et tu sais quoi? Il y a sûrement un truc qu'il faut monter quelque part. Ça s'est fermé. Ça s'est fermé. Les radiateurs. Que me dit pas que. Putain, mais on n'y voit rien, c'est pas vrai au niveau des options là. Je peux peut-être, je sais pas, graphisme. Champ de vision, oui, non, peut-être. Effet caméra, c'est hyper lumineux. Il y a un qui tombe, bah, c'est la déception. Bon, je suis coincé là-dedans et je ne peux pas sortir. Il faut regarder au-dessus ce que l'on peut faire. Je vais être coincé. Il doit y avoir une ventilation quelque part. La clim, non. Il n'y a qu'une seule fenêtre. Une seule fenêtre que je ne peux pas ouvrir plus. Il y a un téléphone qui sonne, j'ai l'impression que c'est celui-là, mais je ne peux pas le décrocher. Ouais, deux neutres. Deux neutres. Oh, bah, ok. Voilà, j'ai toute la boîte, avec le carton compris. Ah, une petite souris. Qu'est-ce que ce truc? Ça se déplace. Le PC. Ah, tu m'empêches de le jeter. Tu m'empêches de le jeter, c'est précieux. C'est bizarre cette histoire. Ok, je me gratte la tête. Là, il y a un trou de souris. Oui, mais celui-là, j'ai failli le rater, je regarde pas suffisamment. Alors, est-ce que si je prends un bagel, que je le mets là, au lieu de les manger comme un gros, que je suis... Non ? Petite souris, viens m'aider à m'échapper. Une offrande, voilà, Tatsu il fait des offrandes. Attends, est-ce que si je fais ça, que je pousse le bagel dans le... 2 hours later. Mmh.
Ah, ah. Ici qui brûle, c'est drôle. Oui, non, calme-toi, calme-toi. Du coup, si je mets le... J'en sais rien. Truc ici, pour empêcher de brûler. J'en sais rien. Mettre là au-dessus. Là où il n'y a pas d'extincteur, ça rime à rien. Du coup, la salle va être inondée. Quelque chose comme ça. Le trou là est inondé. Faut-il le boucher? J'en sais rien. Wow. Nani? Donc, j'ai bouché le trou du truc et je suis mort noyé. Ok. Why no? Why not? Hein, qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, mais c'est tellement lumineux, je ne le vois même pas. C'est un gros œuf. C'est un gros non-œuf. Bon, bah, voyons voir. Il va falloir chasser l'autruche. Oh, bordel de... Ok. Si je comprends bien... Dude, toi et moi, on a rendez-vous. On est un jour. Tu le veux? Tu le veux? Je le moleste. Je tabasse. Je m'assois dessus, mais... mais je saute dessus. N'importe nawak. Bon, quel âge est... Oh! Attends. Donc, ça, c'est une chaise. Oh, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nani! Oh, quel maladroit je fais! Quel maladroit je fais! C'est ton piti? Ça fait une grosse omelette, hein? Enfin! Oh bah, ça, c'est... comme de par un hasard, il y a... comme de par hasard, le four est ouvert. Oh bah, alors... Il y a une grosse... Il va me falloir une très grosse poêle, hein? Ah! Fais voir. Oh, il devient tout rouge. Ils sont résistants, hein. Vous êtes résistants, hein. Quand on pense qu'il a fallu qu'une toute petite météorite pour vous buter. Et être beau aux yeux, maman, hein. Voilà. Ça, c'est pour... Oh, t'as de grandes dents, tu sais. Bon, voyons voir le micro-ondes. Il n'y a pas moyen de... Si, peut-être là, je sais pas, qu'est-ce qui se passe là. Il est rouge. Faut trouver un moyen de détruire cette saloperie. Ah, j'ai compris que tu chantais truc de... Alors ? C'est prêt ! Oh putain, c'est résistant cette saloperie. Je crois qu'il faut le faire, mais vite. Liste de... Oui, non, je peux pas... Je peux pas sortir. Bon, on va essayer de le faire, mais plus rapidement. Parce que ça le fait chauffer un tout petit peu. Mmh.
Ah, mais il est invincible cette saloperie, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Ok, là c'est écrit en binaire. People kill, et ça c'est bon, ça ok, on est d'accord. Peut-être qu'il aurait fallu le lancer. Peut-être qu'il aurait fallu le lancer, faire les trois et puis le lancer, quoi. Attends, on va essayer de faire les trois et puis le lancer. Il faut le faire plus rapidement aussi. Donc là, tu poses. Oh oui, ça chauffe. Mais il est invincible. Mais enfin, il est invincible, ton œuf. C'est quoi cette histoire? Allez, mange-moi, saloperie. Non, mais c'est ultra résistant, ça. Ultra, ultra résistant. Peut-être tout de suite après le micro-ondes, j'ai l'impression que c'est ce qui marche le mieux. Pourquoi tu veux petit? Comment je fais pour casser ce machin? Alors, super résistant, 65 millions d'années. Super resistant shield. Ah bah oui, mais qu'est-ce que je fais? Des 0, des 1. Aucune idée. J'ai malheureusement pas... Si c'est super résistant... Non mais je me dis que je pourrais casser la vitre avec. Non mais j'imagine bien qu'il faut l'énerver, mais... Bon, alors on va essayer déjà le laser. On va essayer le truc à l'envers. Ensuite le micro-ondes. Faire devenir rouge. Pff, il est de nouveau tout blanc, il est de nouveau tout blanc, ça marche pas. Il est de plus en plus rouge par contre. Hein. Oh bah alors ça fait une petite omelette. Ça, il fallait bien insister. Regarde. Mange. Regarde, je la mange. Excellent. Oh la vache. C'est excellent. Elle est jolie, maman, quand même. Beau T-Rex. Ils ont modélisé vraiment un très beau T-Rex. Il faut que je mange son... Petite omelette à table. Qu'est-ce que c'est? C'est un bain. Tu veux que je prenne un bain? C'est vrai que c'est drôle, ce jeu. Ces petites situations sont franchement superbes. Ok, petit bain de la mûre. Alors, petit canard, prépare ton bain. Je préfère un caca. Petit savon, non, je peux pas ramasser le savon. Ok, donc là, évidemment, c'est pas fermé du tout. C'est étrange. Une babale. Par contre, qu'est-ce qui se passe? T'as une attaque de zombie ou... Okay, là, on a une babale. Bon, petite maison avec un couloir immense. Mais non, mais il a une attaque de zombie, là. C'est pas possible. Il y a des zombies à l'extérieur.
Comment je fais ça? Ah ouais, d'accord, donc je rebondis sur le lit. Ah tiens. Il y a une pièce qui est fermée, là, apparemment. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Je peux pas me regarder, je ne peux pas me regarder. Il me faut un outil. Alors peut-être le ballon. Fais voir le ballon. Je suis pas encore descendu voir ce qu'il y avait. Mais là, il y a deux trucs qui m'intriguent. C'est ce miroir qui est déjà pété. Et c'est cette porte. Ouais, mais la balle, il ne fera rien du tout. Ok, donc tout est fermé. Je suis totalement enfermé de l'extérieur et de l'intérieur. Une attaque de zombies ou quelque chose dans le genre, c'est pas possible. Même de l'extérieur, d'ailleurs, c'est étrange. Ok. On peut faire couler l'eau. On peut pas manger le pain. Il n'y a rien dans le frigo. Tristesse. Oh, une bière. Bah, je peux pas prendre. Décidément. Il y a une Nintendo. Tiens, ça, c'est pour Bibi. Et une Game Boy. Non, non, mais oh. Elle fait le bruit du démarrage de la Game Boy. On est bien là, moi je dis, j'ai pas envie de bouger, je suis juste bien là. Allez, joue une petite Nintendo, j'en avais une hein, évidemment quand j'étais gosse, à l'époque de la Super NES, parce que j'avais un oncle qui était adorable, qui m'offrait son ancienne console quand il s'en offrait une nouvelle. Bah, à moindre frais, ça coûtait une fortune ces jeux-là. Hein. Mon père était ouvrier évidemment, donc... mais ouais, et puis, j'avais tout de suite plein de jeux. Donc je me souviens, Galaga, j'avais fini Galaga, les enfants, avec trois vaisseaux que je pouvais avoir. Vous savez, quand les mouches, les aspects... Bref, j'ai fini Airwolf. C'était Supercopter, avec la musique de Supercopter. À l'époque, c'était ultra connu, ultra apprécié. J'étais super fan. Qu'est-ce que j'avais? J'avais les commandos dessus, j'avais plein de choses. Enfin bon, bref, c'était un régal. C'était un véritable régal. Et évidemment, quand la PlayStation est arrivée, il m'avait offert sa Super Nintendo. Oh bah tiens, regarde, là, il y a quelque chose. Il m'avait offert sa Super Nintendo avec plein de jeux. Et puis ensuite, quand je suis arrivé en apprentissage, la première chose que j'ai fait, c'est de m'offrir une PlayStation. Ah, enfin! Il manque de l'essence, c'est ça? Oh, un PC! C'est un Commodore 64. Bah alors? Tiens, je crois que j'ai fait bugger le jeu. C'est étrange. Ça, c'est étrange. Ok, là, j'ai... Là, il n'y a rien. Là, il y a des pneus. Il me faut... Ah! D'accord. Est-ce que dans la cuisine... Je sais pas si j'avais vu un truc à démonter, parce que bon, là, il y a quelque chose... Est-ce qu'il y a de l'essence quelque part? Oui, non, mais donne. Pas d'essence quelque part. Oh, je suis sûr qu'il va falloir de l'essence. Je suis sûr qu'il va falloir de l'essence. Ouais, pour découper les planches là. Je suis sûr qu'il y a quelque part de l'essence. Je vais emmener la clé à molette, mais ça m'étonnerait qu'elle serve à quelque chose. Il n'y a plus d'eau. Hein. Il n'y a plus d'eau. D'accord. Donc déjà, il y a beaucoup d'oreillers et de saloperies.
Il y a définitivement rien à part des livres. Et un PC. Et si je me baisse, je ne peux plus me relever. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Le manche-disque, le tourne-disque, la péloche qui ne marche pas. Les radiateurs qui sont... Il faudrait descendre à la cave. Il y a des fissures dans le mur. Pas une cave quelque part? Sous l'escalier? Alors? Ah bah bravo, donc ça, ça a clippé. Ok. Donc j'ai compris ce qui s'est passé, ça a clippé. Et la clé est derrière. La clé est derrière. Je te parie ce que tu veux. C'est exactement ce qui s'est passé. Ok. Ok. Donc il faut juste y aller doucement. Voilà, merci. Donc maintenant... Ah bah oui, évidemment, évidemment, évidemment. Évidemment. Évidemment, c'est inondé, il n'y a plus d'eau, c'est terrible. Et on referme. Voilà, encore une. Quand tu veux, hein. Ah, ça y est, ça fait le bruit. Ok. Ah bah voilà. Est-ce que ce serait de l'essence? Mais alors là, il y a une belle clé en or, mais bon. Reste là. Comme ça, je sais où tu es. On sait jamais. Ok, donc là, est-ce que là, vous... pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, parce qu'il y a une tronçonneuse. Il y a une tronçonneuse, les enfants, c'est pas possible. Elle doit forcément servir à quelque chose. Il y a des fissures dans le mur. Non, il y a des fissures dans le mur. Ou alors je me fais des idées. Voyons voir. J'en ai aucune idée, mais peut-être que... Une petite minute. Donc du coup... Est-ce que par le plus grand des hasards? La réparer. Bon, évidemment, ceux qui savent, une clé à molette est totalement inutile là-dessus. Bon, bah je me demande s'il y a quelque chose à faire, mais je ne sais point, je ne sais point. Bon, on est bien d'accord que le but étant de se suicider. Ah, je sais pas à quoi sert la tronçonneuse. On pourrait le refaire, mais ça me trigger, là. Bon, j'ai mis un petit peu de temps pour celui-là, mais bon, on est spontané, hein. On fait ce que l'on peut avec... chariot élévateur, petit numéro 13. Chariot élévateur, eh ben allez, vas-y, go.
Go, 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 go. Voyons voir. Alors, comment cela se passe-t-il? Ok, bon, bah là, je pense qu'il veut qu'on monte sur les toyaux. Ok, il saute pas assez haut. Vraiment, tu... T'as une... Comment dire? T'as une forme physique nulle. Ok, bon, on le voit bien, le pressoir. Hein. On le voit bien. Petit ascenseur. Avec des caisses. Ok, donc du coup, ça c'est... Nani, t'es monté une seule fois et du coup... Ah bah quand même. Quand même, quand même. Ok, donc là j'ai une caisse que je pourrais... Qu'est-ce que c'est que ce bouton? D'accord. Mais la caisse, je pourrais la transporter à la main? Pas du tout. Remonte. Alors, du coup, ça... C'est pas facile à... Parce que je pense qu'il veut que je monte là-dessus, n'est-ce point ? Ok, donc tu voudrais que je monte là-dessus, on est d'accord, que j'appuie sur le bouton, et que j'aille là en haut, pour activer. Oui, donc c'est un bouton de commande. Voilà, bon, bien évidemment, bien évidemment. Par contre, attends, bouge pas, pose le bouton, la pose, c'est bien, parce que je pense qu'il y a quelque chose ici. Habilement dissimulé. Où tu vas? Wow, wow, wow. Alors pourquoi deux caisses? Et comment je rentre là-dedans? Maintenant que j'ai le... Il doit y avoir un autre secret. Il doit y avoir un autre secret. Cela n'est point possible. Peut-être monter là. Ah, c'est chiant, ces portes. On ne sait pas si elles servent à quelque chose ou pas. Bon. Pourquoi deux caisses? J'en ai pas besoin. Bon, même si... Ah, ça devrait aller d'ici... Ouais, bon bah toi t'es là. Pourquoi deux caisses? Ça sert à rien. Je sais pas. À quel point il est costaud le truc? Ok, alors j'ai la télécommande. Ça va. Attrape le... Non mais attrape le clip. Voilà, ça clip. C'est bien, je vois pas grand chose. Alors, est-ce que tout est là? Tout est plus ou moins dessous? Vous voulez le voir, n'est-ce pas? Vous voulez le voir. Ah bah attendez un petit peu. Alors bah j'ai appuyé dessus en même temps que... Bon, bah, adieu, mon cruel. Aïeux. Ça picote un petit peu. Bon, allez, une petite dernière, quoi, avant de partir
Qu'est-ce que cette horloge? Oh mon Dieu, ma bière. Ah non, 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 non. Ah non. Ok. J'ai toujours voulu voir ce truc de plus près, cet électro-aimant géant. Bon, par contre, ça a l'air un poil long. Putain, mais par contre, et pour la maison, ça m'embête. Hein. Ah, il doit bien y avoir de l'essence quelque part, c'est pas possible. Il y a eu des portes partout. Bon, ça, c'est juste pour... D'accord, donc ça, c'est le truc pour... Ok. Pour tout écraser. J'imagine que... S'il faut prendre une bagnole... Oh, je peux la piloter. Je peux sauter ici sur le toit. Ah, pas du tout. Il m'empêche de sauter sur le toit. Ok. Voyons voir le pourquoi du commun. Et à la rigueur, peut-être que si j'arrive à trouver la petite statuette... Non mais clique dessus, ah là t'es chiant. D'accord. Ok, donc là tu le mets en marche. Mais non mais à chaque fois que je... Oh, bon sang t'es chiant. Oui, je bouge tout seul. Non, c'est comme ça. Alors, moi, je veux bien que tu... Mais ça ne réagit pas sur eux. Je peux cligner des yeux. Tu veux que je mette la bagnole en dessous? C'est juste ça. Bon, bah, d'accord. Ok. D'accord. J'imagine que... Ah tiens, regarde, je me regarde. Bonjour, c'est moi, je suis le monsieur qui a perdu la bière. Voilà, ça c'est fait. Par contre, il faudrait explorer juste un petit peu. Mais du coup, comment ça peut marcher? Il faudrait explorer juste un petit peu à la recherche de la petite statuette. Je pense qu'elle doit être dans les parages. Alors, ok, donc là, apparemment, ça, c'est vide à l'intérieur. Ok. Je la vois pas, mais il me semble qu'elle brille, qu'elle... Elle devrait faire du bruit. Bon, bah, grosse map, quand même, hein. Grosse map. Je le mettrai dans un pneu, histoire de bien le cacher, moi. Me dis pas qu'il y a une entrée pour ce truc-là. Me dis pas que c'est pas vrai. Je peux aller en haut? Ah oui, tiens. Il y a une grosse croix rouge ici. Mais pourquoi? Je peux pas le déplacer, le truc. Pourquoi y a-t-il une grosse croix rouge ici? Il faut venir avec la bagnole, n'est-ce pas? Il faut venir avec la bagnole. Mais je peux pas monter ici. Ok, là-bas, il y a des trucs aussi. Pas du tout le chemin. Pourquoi il veut que je... Oui, mais bon, il faut essayer. Il faut essayer des trucs. Je sais pas si ça marche ou pas. On va essayer incessamment sous peu. Ouais, je pense qu'il va falloir remettre tout ça en route avant de... Là, je peux faire un tour, certes. Je ne peux monter. Il y a un truc rouge. Il y a une grosse croix. Il y a une grosse croix.
Je réfléchis, hein, mais elle est absolument horrible à piloter. Hein. C'est une catastrophe. La direction est une catastrophe. Je parlais au directeur. Allez. Ah bah tiens, voilà le truc. Ah bah heureusement que j'ai fait le tour. Bon bah voilà, ça c'est fait. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une grosse croix là-haut? Bon, mets-toi sur la croix. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est instantané? Ah bah ça, pour être instantané, c'est instantané. Je peux aller ni en haut, ni en bas, ni... On va plus sur la croix rouge, je peux pas. Hein. On est d'accord. Hein. Donc je ne peux pas l'avancer. Mais est-ce que ça fait un tremplin, tu crois? Essayons si ça fasse un tremplin. Ah bah alors? C'est bizarre, elle roule plus. Bah elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. Donc ok, ça c'est... Il peut le... Je crois avoir compris, évidemment. Donc je ne peux pas broyer la bagnole comme ça. Ok, et non, je la dépose là-haut. Je mets le truc en marche. Ok, je mets le truc en marche. Je la positionne si possible. Parce qu'à mon avis, si je la positionne pas suffisamment, il va falloir que je sorte. Vers l'infini et mon destin. Ok. On clique sur le bouton. On revient ici. Et en fait, j'aurais dû viser le machin là-haut. Allez, c'est long par contre. Ah zut, j'aurais dû sortir. J'aurais dû sortir parce qu'elle, elle ne rentre pas dedans. Il fait flipper lui avec ses grands yeux, hein. Ok. On recommence. Ah bah dis donc, c'est du magnète plus, hein. Ah oui. Enlève ça. On repositionne. Putain, puis c'est dommage, il est allé sur le côté. Ce boulet de bagnole, quoi.
voiture nulle. Elle est allée sur le côté, quoi. Je me demande si c'est mal programmé ou quoi que ce soit. Pourquoi il y a une échelle là-dedans? Allez, cours. Cours vers la mort. La plus certaine du monde. Ou pas. Adieu, mon cruel. Oui. Excusez-moi. Et ça fait paf. Et voilà. Et voilà. Et voilà votre serviteur s'est foutu en l'air une dernière fois. Enfin, pas une dernière fois, mais... voilà. Et en plus, on a le truc. Donc, ah bah, il y a un chapeau de magicien. Ah bah, bravo, c'est peut-être Poudlard. Qui sait, c'est peut-être Poudlard qui nous attend là derrière. Voilà, le sorcier Harry Tripotter nous attend. Et vu notre physique ingrat, ce serait notre meilleur ami. Chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il vous aura diverti sur ce gros pouce bleu, gros abonnement. Pousse-toi, Mario. Des bisous, tchou tchou, bye bye, à la prochaine.